Vous êtes au Centre de documents semi-actifs, l'entrepôt des documents de la Ville de Québec. On y a récemment rapatrié tous les documents patrimoniaux qui étaient dans le Centre d'archives de la Ville à la Bibliothèque Gabriel-Roy en raison de la fermeture imminente de celui-ci. Pour maintenir les services au niveau qu'ils étaient avec la Bibliothèque Gabriel-Roy, nous avons décidé de vraiment axer sur la consultation en ligne. À partir du site web de la Ville de Québec, la section archives. Et d'ailleurs, sur le site web, on retrouve plus de 70 000 notices descriptives sur à la fois des photographies, des documents, des plans, des films qui font partie de la collection de la Ville de Québec que vous pouvez venir consulter en salle, soit commander depuis directement le site Internet. La plupart de ces documents-là sont gratuits. Il y a les photographies qui sont à 6,90 $, taxes incluses, mais la consultation de documents est tout à fait gratuite. L'idée du site est vraiment de vous donner accès en ligne au plus grand nombre de documents possibles pour pallier au fait qu'on n'avait plus de salle de consultation ouverte comparativement auparavant. Nous avons développé également un service de numérisation sur demande pour tous les documents qui ne sont pas déjà numériques et en ligne. Vous pouvez simplement en faire la demande et puis nous, on va les numériser et vous les envoyer sans frais. L'entrepôt ici contient 30 000 boîtes, soit 10 km de boîtes mises bout à bout, donc l'équivalent du boulevard Champlain. C'est essentiellement les documents des ex-villes qui ont été fusionnés, les documents de la nouvelle ville, bien sûr, puis on a tous les documents patrimoniaux, effectivement, à partir de 1833 jusqu'à aujourd'hui, incluant certains fonds d'archives privés aussi qui vont servir à expliquer un peu l'évolution du territoire et de la culture de la ville, dans certains cas, vont remonter un peu avant 1833. Entre autres, on a un acte de concession signé du roi Louis XIV qui date de 1688. Mais en général, effectivement, nos documents datent plutôt entre 1833 et aujourd'hui.